Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Vous l'avez attendu depuis un petit moment maintenant, le retour des Random Rush contre le frérot Soso. Comment tu vas mon frérot? Dragon Ball Legends, bah écoute, ça va très bien mon frérot, content de se retrouver ensemble à nouveau pour s'affronter en Random Rush chelou parce que ça a été très demandé, que ce soit sur ta chaîne tout comme la mienne. Et du coup, bah les gars, ça fait vraiment plaisir. Ouais, clairement, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire et je peux le comprendre parce que là, mine de rien, ça doit faire un bon mois, je pense, qu'il n'y a pas eu de Random Rush. Ouais, ça doit faire facile un mois. Je pense que ça fait un mois, à mon avis, quelque chose comme ça. Bon, tout le monde se doute pourquoi, hein, j'ai changé de pièce, donc j'ai déménagé tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Random Rush récemment. Normal. Là, aujourd'hui, Random Rush avec du coup les nouveaux personnages, le Vegeta SSJ et le Metal Cooler. Qu'est-ce que t'en penses des deux nouveaux persos? Alors, moi, déjà, pour le coup, j'ai fait mes invocations, le Vegeta, il m'a shaft. Ah ouais? J'ai pas eu le Vegeta, donc comme ça, c'est réglé. Par contre, j'ai eu le Metal Cooler, je l'ai passé 6 étoiles, forcément, avec les 2000 cristaux, ouais. Comme c'est du Legends All-Star. Donc, pour le coup, franchement, je suis très satisfait du Metal Cooler. Ouais. La vérité, ouais, franchement, j'aime bien. Alors après, le Vegeta, malheureusement, j'ai pas pu le tester, moi, personnellement. J'ai affronté des mecs un peu en PvP qui l'avaient. Il est stylé. Il est stylé. Il est clairement stylé. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec les deux personnages niveau réalisation. Je trouve que c'est de mieux en mieux, franchement, sur le jeu. Ouais, d'ailleurs, je vais en profiter pour déboîter sur l'autre sujet dont je voulais parler là rapidement avant de commencer. Bon, comme d'hab, les gars, la chaîne de Soso, elle sera dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ça sera le premier lien. Et puis surtout, il y aura le match retour sur la chaîne de Soso comme d'habitude. Mais surtout, il y a une annonce. C'est mardi prochain. Il y aura un live, il y aura une vidéo comme d'habitude où ils vont dévoiler les nouveautés concernant la mise à jour du mercredi, très certainement du lendemain. Donc des trucs en vidéo, je crois c'est le numéro 9. Et on sera en live justement avec Soso sur ma chaîne. Enfin peut-être que je sais pas si vous voudrez faire en live en même temps sur la tienne. Non, bah je serai sur la tienne, il n'y a aucun problème frérot. Ok, bon, on sera en live du coup mardi prochain ensemble à... ça sera avant 14h, mais la vidéo sera dévoilée à 14h, donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous les gars pour ce mardi-là. Bon, on sait qu'il y en a certains qui auront cours forcément, hein, vu la tranche horaire. Malheureusement, on choisit pas, donc n'hésitez pas. À ce moment-là, on sera en live les gars, et puis normalement, on pense qu'il va y avoir un LF qui va être annoncé, puisque c'est écrit dans les annonces qu'il va y avoir une grosse annonce à la fin de la vidéo. Exactement, c'est ça. Donc on sait également qu'ils vont sans doute parler de la nouvelle mise à jour, un peu plus approfondie avec le nouveau système de Rising Rush. Mais ouais, ce qui nous a vraiment tilté, c'est le fait de dire à la fin de la vidéo, grosse annonce. Donc là, voilà, on sait souvent qu'à la fin de ce genre de vidéo, c'est souvent concernant les persos. Absolument, ouais. D'ailleurs, si tu veux faire un petit pronostic, toi, si jamais ils annoncent un Legendary Finish pour le Black Friday, qui serait la semaine d'après, du coup, tu miserais sur qui? Alors, je sais très bien que beaucoup veulent du Gogeta, du Migaté. Pour moi, c'est pas encore un assez gros event pour avoir ce genre de perso, malgré que ça pourrait arriver. Mais moi, j'aimerais bien un truc du genre un Kame Sennin Sparking LF ou un Goku SSJ3 Ryuken, même si ça ferait encore un nouveau Goku SSJ3. Mais voilà, un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Surtout un Kame Sennin Sparking LF, j'aimerais bien. Sennin, il sort, ça serait ouf. C'est super cool. Je te remercie pour ce que t'aimerais. Je te demanderais de prendre juste un pari. Tu penses que ça sera qui, genre? Allez, on va dire un Goku SSJ3 Ryuken. Goku SSJ3 Ryuken. Alors, c'est vrai que c'est un personnage qui est très attendu. Et tu sais, je vais te dire, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est pas impossible que ça soit lui en plus de ça. C'est les récents personnages movie, justement, qui viennent de sortir, oui. Tu vois. Oui, donc, forcément. On a à peu près la même idée. Toi, tu dirais Goku SSJ3 Ryuken LF. Moi, je dirais Broly LF. Je pense qu'ils vont sortir un Broly de Dragon Ball Z en LF. C'est possible aussi, un hein, Broly DBZ de LF, c'est possible. Là, le top, ça serait qu'il soit en transfo. Genre ouais, que tu puisses le mettre transfo, guerrier légendaire, ouais, avec un LF. T'imagines même potentiellement, bon ça, à mon avis, ils le feront pas, mais si même potentiellement, ils faisaient, tu sais, de la basse forme, OSSJ légendaire, tu vois, ça serait ultra stylé. Potentiellement, mais ça m'étonnerait qu'on ait... Incroyable, ce serait incroyable. On est en train de s'emballer, les gars. Ouais. On se calme, les gars. On s'emballe, là. Ouais, clairement, ça, c'est le problème. Quand tu parles de trucs comme ça, tu te auto-hype et finalement, t'as un truc tout pourrave à la fin et t'es dégoûté. On se rappelle du stream de l'anniversaire, justement. Ouais, exactement. On voyait tous du Migaté. On a revu du VB. On a revu du Végéto. Voilà. Qui a fait mal, hein. Qui a fait très mal au ladder quand il est sorti. Hein. Putain, c'est clair. C'est clair. Bon, écoutez, Random Rush Super Saiyan contre Ennemi Puissant, ce soit une très très bonne idée. Ennemi Puissant pour la team de Metal Cooler, c'est vrai, j'y avais même pas pensé. Ça va être plutôt cool ça. Est-ce que t'as du Zenkai vite fait dans Ennemi Puissant là? Je me rends pas compte.
Alors, attends, je vais te dire. Bon, ouais, j'ai le Black Goku forme de base de Zenkai, mais il est juste Zenkai 1, donc Ouais. voilà. Et je pense que c'est l'un des Zenkai les plus pourris du jeu, en tout cas, Oui. à mon sens. Bon, je pense que c'est le moins bon, hein, clairement. Voilà. Après, bon, j'ai le Majin Buu, pareil, il est que Zenkai 1. En fait, j'attends le nouveau système de Bien sûr. Zenkai, tu vois, pour les Zenkai. Et pareil, le Vegeta EX type jaune, pour l'instant, j'ai Zenkai 1. C'est tout ce que j'ai pour Ok. l'instant. Ok, ouais, non, il n'y a pas J'ai trop pas de d'autres. Zenkai pour l'instant, en vrai. Parce qu'en Ouais. Super Saiyan, là, je suis en train de voir, il y en a 4, hein. Ah ouais, quand même. Ah bah, en fait, Ah il y a ouais. Badak, forcément. Bon, alors, si je tire Badak, je suis le roi du monde, hein, clairement. Il est trop Ah fort, voilà, laisse tomber. ouais. Il y a le Goku Namek Rouge. Il y Ok. a le Trunks également, le Mirai Trunks Zenkai. Et Broly, en fait. Donc, il y a 4 Zenkai. Pas Sachant mal. que, heureusement qu'il n'y a pas les persos transfo, parce que sinon, il y en a deux de plus, hein, avec le Mirai Trunks gratuit et le Goku C'est Namek ça. LF, du coup. Ouais, Donc. c'est... Malgré ça, quand même, la team Super Saiyan, ça commence à ressembler à quelque chose là. Ah Ça ouais, bah clairement, commence bah tu à. vois, Ça rigole zéro, hein. j'étais l'un des premiers personnellement à être entre guillemets, enfin pas très déçu, mais déçu de Badak parce que je m'attendais à un personnage au niveau de C18 et de Gohan. Bah, Et pareil, comme plus le moi. temps passe, et plus il s'en rapproche grâce à ses alliés qui sont très bons en fait, qui sortent Bah, récemment. j'ai été. Pareil, pour moi, je trouvais que Badak, en gros. Voilà, après, moi je suis un fanboy de Badak, les gars. Moi, vous le Ouais. voyez, hein, derrière moi, j'ai la figurine Badak. Moi, c'est mon perso préféré dans l'univers de Dragon Ball. Sans Badak, y a rien. Voilà, c'est le daron, tu vois. Et donc, quand j'ai vu que Badak SCJ allait arriver, oh, je me suis attendu à un truc super crack, tu vois. Peut-être pas au Ouais. niveau du Guan, mais au moins au niveau de C18 ou un truc comme ça. Et finalement, il n'avait pas les alliés qui allaient avec. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, je vais pas le Zenkai tout de suite. Par contre, là, au fur et à mesure que je vois que commence à up la Eh team ouais. Super Saiyan, bah du coup, je les ai Zenkai 7, les gars, et voilà. Au moins, Ah, t'as si bien fait. dans, voilà, pour Par Noël ou contre, quoi, ça explose, du bah coup, là, t'as au pas moins, le Vegeta, ça fait chier, quoi, parce qu'il va bien avec le Vegeta, vraiment, quoi. Merci de me le rappeler. Ouais, tu n'as pas de soucis, Merci de me le rappeler, voilà. Ok. Ok, bon, allez, on va passer au tirage, les amis, parce que je vois qu'il y a de l'amertume dans ce Ça merci. Écoute, je vais te tirer ton premier ennemi puissant, du coup. Allez, Alors, vas-y. et comme d'hab, les gars, hein, EX, Sparking, vitesse, régène de ki, c'est possible qu'on fasse une ou deux boulettes quand on compte, c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas Voilà, de. vous inquiétez pas. Il On n'y est a là pas pour de triche, s'amuser. les gars. On tire les persos au hasard. Voilà. Voilà. Tirage numéro 16 au niveau de la ligne pour toi et Ok. le perso 1 de la ligne 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, bah ça commence pas très bien. Ah ouais. C'est Freezer, forme numéro 2, EX jaune. Le fameux ennemi puissant. Voilà, un nouvel ennemi puissant. Ouais. Il est tout sauf puissant pour l'instant, mais bon. Alors, du coup, toi, ligne numéro 10, Ouais. perso 4. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je l'aime bien lui, il est stylé, tu sais, c'est le Goku du film Broly. Oh, ouais, du film Broly là, Et qui met franchement, sa grosse patate dans le bide de Broly là. est-ce qu'ils auraient pas pu nous Zenkai celui-ci au lieu de nous Zenkai le Goku Namek là? Le bleu élève là qui est trop fort, mec, n'importe quoi. Effectivement, non mais ouais, c'est un délire. Un Ah, délire. Toi, tu l'as franchement. Zenkai 7, toi? Bah oui, Ouais, toi, je pense que oui. Zenkai Ouais. 7, 10 étoiles en plus, le bordel, bon, laisse tomber quoi. Oh le délire, ouais, moi je suis en train de le Zenkai en mode free to Ouais, play, bien sûr. voilà, tous les Bien 15 sûr. jours. Mais ouais, mais c'est un délire, Ah, effectivement. ouais, ils ont. Je sais pas s'il y avait pas mieux à Zenkai que lui quand même. Parce qu'en vrai, ça va vite les Zenkai LF là. Hein. Ça commence Bah à aller vite. là, Hein. ça va vite les Zenkai tout court. Ouais, les Zenkai Ça ça va va vite très les vite. Zenkai tout court, hein, Ah, en ce d'ailleurs, moment je me c'est disais, compliqué. imagine, mardi prochain, ils nous annoncent en fait un Zenkai LF encore, tu sais, à la fin de. Oh, ça serait terrible. Mais tu sais que par contre. On pourrait avoir genre une annonce de Gogeta Super Saiyan Transfo du film Ouais. DBS de type bleu Zenkai. Ou Ouais, de c'est possible. Gogeta type rouge aussi Zenkai. Ça les gars, ça peut arriver. Hein. Mais rendez-vous mardi prochain, les gars. Rendez-vous mardi Rendez-vous prochain. mardi sur la chaîne de Fitz en C'est live, les ça. amis. Hein. Et on verra tout Voilà. ça clairement. Ligne 3 pour toi et le perso 1, encore une fois. Ok, donc c'est le Freezer, première forme, l'ancienne Ouais. unité, dommage, il y avait du sel et tout, dommage. Bon, Dommage. on va Il y prendre, avait les gars. mieux ouais, sur la ligne. Alors, ligne 3, Ok. perso 4. Oh, pas mal ça. Le Vegeta EX Oh, vert, l'assez récent, là, tu sais, le ouais. Final Flash. Ouais. Il J'aime est bien. vraiment stylé en plus, ouais, Ouais, et j'aime bien puis il est aussi. fort. Il est vraiment fort en plus, donc ouais, Pas bien fait content mal. de ce pool. Ligne 15, sachant que t'as fait un pool à la ligne 16, il me semble, tout à l'heure. Oui, alors je vais Et le perso retourner. 4. Alors, là c'était 16, et tu m'as dit c'est 15, Ouais. perso 4. Ouais, c'est Bojack, pas mal. Ça c'est pas mal avec sa cover et tout, les gars. Ah Ça on prend. Ça c'est ennemi puissant. Ça, c'est de Là l'ennemi oui. puissant pour le coup, ouais, Voilà, ça c'est j'avoue. l'ennemi puissant. 7 étoiles, ça va, c'est correct, donc très très bien. Ouais. Ok, Propre. alors, pour toi frérot, ligne 5, Ouais. perso 1.
5-1. Ça sera Vegeta, mais c'est pas le nouveau. C'est un autre Vegeta Big Bang d'ailleurs, c'est Vegeta sur la scène rouge. J'ai cru qu'il allait me dire ça va être Vegeta, genre le nouveau, tu vois. Il était juste à côté, mec. C'est le perso d'à côté. Ah, c'est stylé les deux Big Bang l'un à côté de l'autre en vrai là. Pourquoi j'avoue. Pas 14 étoiles par contre. 14 étoiles, ouais. Quand tu vas là, s'il a un Zenkai, celui-là, chose qui ne sera pas improbable. Ah, ouais, ça c'est sûr. Très mal. C'est sûr, ça peut être violent, ouais. On verra bien à ce moment-là. Pour toi, tu vas aller à la ligne 2, donc tu vas pas aller bien loin et tu vas aller au perso 1. 2 et numéro 1. Ok. Ok, bah c'est Broly. DBS que tu kiffes jouer. J'ai vu ça sur tes lives PVP. Ouais, ouais, bah. C'est ouf, hein, mais je le trouve vraiment fort en grand perso, en vrai. Hein. Bah non, mais après, quand il est bien entouré, bien sûr, il est fort. Et puis il a encore de bonnes stats pour un perso qui date d'il y a 2 ans, c'est incroyable. Niveau stats, il est vraiment solide. Et puis, bah, il y a toujours ce côté de je passe à travers les Kikoa, là, ça peut être toujours fort. Sur toutes les strikes. Il traverse les blasts. Il n'y a pas beaucoup de persos comme ça, hein, en vrai. Non, c'est clair. Sur toutes les strikes. Je me souviens que quand il était sorti, tu roulais sur tout le monde en PVP avec, c'était vraiment, en gros, on appelait ça, c'était vraiment cheaté, parce qu'il traversait les blasts, il y en avait plein, il faisait des rage kits en PVP. La plus grosse connerie du jeu, hein, c'est Broly quand il est sorti. j'avoue. Incroyable. Ok, alors, du coup, c'est à moi. Tac. Ligne 7. Ouais. Perso 1. 7-1. Ah, le Goku et ses Jima dit du cœur. Ouais, je suis pas fan en random rush, honnêtement. Okay. C'est le jeu. Après, c'est... bon, c'est du 14 quand étoiles. Quand il tape, il perd de la life en plus. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ouais, clairement, je suis pas fan. Ligne 12 pour toi et le perso numéro 2 de la ligne 12. Alors, attends, le 16, c'était Freezer, deuxième forme. C'est ça. Donc, 16, 15, 14, 13, 12, perso numéro 2. Ok, c'est Majin Buu Zenkai 1. Heureusement, chance, Zenkai 7, mais même Zenkai 1, il est bien mais cancer. Ouais, quand même, il tanque, il tanque quand même pas mal, effectivement. Tes trois derniers persos, c'est pas mal là quand même, je suis en train de voir. Hein. Bojack, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant, les gars. Ouais, là, ça va. T'as les freezers pour compenser un peu. Là. Alors, ligne 8. Ouais. Perso 2. 5, 6, 7, 8. Oh, pas mal, mais faudrait un Trunks pour l'avec. C'est le Goten vert, du coup, qui est tombé. Ok. Le petit 14 étoiles aussi, quand même. Ouais, pas mal, hein. Pas mal. Mais faut un Trunks. Sans Trunks, lui, là, c'est. Ouais, ouais. Ça va mouliner fort. Ligne 5 pour toi et le perso numéro 3, ça sera ton dernier avant les retirages, d'ailleurs. Alors, 3, 4, 5. Numéro 3, c'est Buan. Attends, contre, il est combien d'étoiles, je vois pas. Ouais, il est 3 étoiles. Heureusement, putain. Heureusement. Ouais. Okay. C'est dommage. Parce que là, ça aurait été vraiment intéressant. C'est ouf que tu l'aies avec aussi peu d'étoiles. Bah, il a jamais voulu venir. Ouais, non, c'est pas ton pote. C'est voilà, c'est pas plus compliqué. Ouais, bah, tant mieux pour moi, je suis bien content. Super, c'était fait exprès pour fit, c'est les gars. Ouais. Alors, du coup, ligne numéro 1. Ok. Et perso 1. 1, 1. Pas mal, pas mal, pas mal. Le Goku SCJ trio Kamehameha familial. Pas mal du tout, je pense, pour du random rush avec son petit boost lorsqu'il meurt. Ça peut être sympa. C'est plutôt intéressant quand même, ouais. Ouais, ça commence à être une team intéressante. Heureusement en soi que t'as pas le Trunks pour le Goten. Ouais. Parce que. D'ailleurs, je vais. Tu sais quoi, allez, je fais mon retirage direct. Je te coupe la chic et je vais enlever Goten du coup, hein, parce que sans Trunks. Ok. Hein. Alors, ligne 5. Ouais. Perso 1. Eh ben tu m'enlèves le Vegeta, donc il va falloir que tu me retires deux persos. Ok, du coup, on recommence. Ligne 8. Ok. Perso 4. Oh, le Vegeta y est. Ouais, je te retire un Vegeta pour te redonner un autre Vegeta. Ah ouais, puis je préférais le rouge pour un random rush, honnêtement. Bon, ok. C'est ça. Mais après, attention, celui-là, je me souviens, son attaque ultime a fait mal quand même. Le Final Flash, ouais, peut piquer un peu. Ok, du coup, je dois te faire un autre retirage. Alors, ligne 10. Ok. Numéro 3. 10, 3. Oh là là, c'est dur. Ah, et là, maintenant, il est là, Trunks. Le Trunks. Il est là. Mais le... il n'y a plus le Goten, du coup. Ah, effectivement. Oh là là, là là là. Fou. Bon, ben les retirages m'ont mis dedans, là, pour le coup. Hein. J'ai pas un petit nerf. Ouais, je pense que c'était peut-être mieux le Vegeta rouge et le Goten. Bah, clairement, ouais. Clairement, clairement. Ouais. Bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Écoute, tu retires qui? T'as le droit à deux, Freezer toi, hein. EX. Ouais, j'ai le droit à deux. Je vais d'abord retirer le Freezer EX. Ligne 15 et perso 1. Alors, bah justement, Freezer EX, il était 16. Et perso numéro 1. Ouais. Ok, donc c'est mal incarné. Alors,
En soi, c'est pas trop mal quand Ah même, non, c'est pas Bouma mal, hein. l'incarné. Ouais, Il est c'est pas pas trop mauvais. mal. Attends, je regarde juste déjà la capzette de ce Freezer là. C'est pour C'est quoi les déjà? bleus et les armées de Freezer. Ouais, bon, vas-y, je vais le tège. Je vais le tège. Ok. Allez, je vais le Ligne tège. 13, du coup, deux lignes au-dessus et perso 3. Ok, c'est Oh le putain, heureusement qu'il n'y a Bouillard. plus Mais les il est pas Léo. Zenkai. Il est pas Zenkai. Dommage. J'aurais bien voulu que ça soit le Bou à côté, ça aurait été vraiment stylé. Mais bon. Ouais, Ok, mais très là, bien. ouais, ok. T'as une belle team quand même, hein. Ça va, hein. Ouais, ça va. Franchement, ça Ça va, va. ça Ouais, va. ouais. C'est plutôt pas mal. Ok, bah C'est écoute, mieux je que m'en les vais alors. autres random rush. Ouais, clairement, parce que récemment, c'est vrai que t'avais pas de chance. Je vais vite fait monter l'arbre des persos qui l'ont pas Vas-y. monté entièrement. Je vais regarder également si les miens se sont montés ou pas. Je pense que oui, normalement. Ah non, tu vois, non, il n'est pas monté, lui. Ah, t'as certains persos, tu sais, des persos que tu joues jamais, des fois, C'est ça. sont pas montés. Alors, c'est comment. Est-ce que toi, actuellement, Ah, t'as peut-être pas Zenkai assez de persos, quand même, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais moi, j'ai plus de ressources, en fait, à force de Zenkai Ah des non, persos. mais moi c'est pareil, j'ai La plus de même. ressources. Ah, c'est Ah terrible. non, j'ai plus de ressources. Là, j'ai fait le Badak Zenkai 7, là, du coup, il m'en a bouffé. Là, je commence, du coup, le Goku LF, bah, Al Zenkai, bah, il m'en bouffe. J'ai fait le Gohan Ah, Zenkai c'est. 7, 1400%, il m'en a bouffé. J'ai fait le Trunks Zenkai type rouge, là, pareil, il m'en a bouffé. Non, mais j'arrive plus à suivre. Ah, c'est un truc de Je malade. n'arrive C'est un plus. truc de Je malade. n'arrive Vraiment, plus. le rythme est infernal pour le coup, clairement. C'est clair. Et C'est clair. que tu payes pas, ça change rien. Le rythme est infernal de fou. Là, pour le coup, on est tous dans la même galère, les gars. Ah Sauf bah que, oui. bah, forcément, le PVP, il commence à ressembler à Zenkai Island, quoi. Ça, c'était sûr. Zenkai Land, grave. Non mais c'est ça. Bon après, bon, faut se dire, c'est vrai, voilà, maintenant les développeurs ont pris la direction de mettre du Zenkai sur le jeu. Effectivement, c'est très fort. Sachez que je peux comprendre la frustration de certains joueurs qui n'ont pas les persos Zenkai et qui se font arracher la tête en PVP, même s'ils ont un meilleur gameplay que l'adversaire d'en face. C'est le début, j'ai envie de vous dire, c'est le début. À l'époque, quand le jeu était sorti, celui qui n'avait pas Broly, bah, il pleurait, c'est ce qu'on disait tout à C'est l'heure. exactement ça. Donc voilà, ça se trouve, dans quelques mois, le Zenkai il va devenir de plus en plus accessible aux gens. Et puis voilà, Ah arrivé aux bah, 3 ans du jeu, ça se trouve, on n'en parlera même plus de ça. Donc c'est la décision qui a été prise de toute façon. Hein. C'est-à-dire que voilà. la décision qui a été prise, c'est de rendre les Zenkai, comment dire, communs entre guillemets un petit peu quoi. C'est ça. Et si tu regardes bien, en vrai de vrai, on peut critiquer, mais ils font quand même les choses plus ou moins bien avec les missions, tu sais, qui te permettent, même si t'as pas le perso, tu peux l'avoir à 7 étoiles Bien direct. sûr. Bah, ça, mais ça, c'est fort. Ah Le oui. fait de nous avoir sorti, bah, tu vois, pareil, hein, ça aussi, ça m'avait bouffé les ressources, le Goku SSJ3 Zenkai, Ouais. que j'ai mis pareil, 1400%. Mais ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Par exemple, Ah pour les oui. nouveaux joueurs qui n'étaient pas là il y a de ça 2 ans et demi quand le jeu était sorti, ils n'avaient pas forcément fait le Black Friday avec le Goku SSJ3 Ange de type violet. Bah, au moins, pour 2000 cristaux, tu l'as direct, c'était toi, Zenkai 1, pour 2000 cristaux. Je pense que ça, c'est vraiment très bien et ça permet enfin, une accessibilité beaucoup plus simple au niveau des Zenkai pour les joueurs. Alors, certes, faut mettre 2000 cristaux. Les free-to-play, je peux comprendre que c'est beaucoup, mais après, voilà, faut savoir faire des choix. C'est Soit tu ça. choisis de garder tes cristaux pour les Zenkai pour ensuite aller dans le top laner PVP, soit tu fais le choix d'invoquer sur les nouveaux persos parce que tu te fiches du PVP et tu préfères la collection de ta box. Voilà, C'est c'est ça. vraiment 2 catégories de joueurs qu'il faut savoir distinguer, les gars. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, en vrai, c'est un peu comme ça sur... Enfin, c'est en fait sur tous les jeux où il y a un système de ladder, si tu veux réussir à aller haut dans le ladder, il y a des sacrifices qui vont être faits à quelque part. C'est obligatoire. Bien C'est sûr, tu es toujours comme ça. obligé. C'est obligé. C'est obligé, les gars. Donc, vraiment, si vous voulez viser le PVP, que vous êtes free to play, etc., les portails comme le Metal Cooler et comme le Vegeta qui viennent d'arriver, eh ben, faut skip. C'est peut-être Ouais. dur parce qu'il y a de la hype, etc. Je peux comprendre. Mais faut skip. Faut Enfin, garder à vos moins cristaux pour que les Zenkai. votre team principale, ça soit Super Saiyan, Voilà, à ou moins bien que, voilà, sûr. en fonction de votre box, effectivement, la team, voilà, s'oriente Super Saiyan. Dans ce cas-là, oui, invoquez. Mais si c'est pas le cas, non, Ouais, c'est gardez. ça. C'est ça. Surtout qu'en vrai, les personnages reviennent assez vite quand même. Hein, C'est clair, si tu regardes franchement, c'est le clair. Vegeta Blue, le Goku Blue Future, ils sont revenus, par C'est exemple, ça. et voilà, Bah, ça comme va, là, ça le Goku film type VR avec va. Thalès Voilà, et tout, ils Thalès, sont encore c'est vrai. revenus, donc voilà. Les persos reviennent quand même assez vite. Et franchement, t'as quand même une belle team, hein. J'avoue, toi aussi, t'as une belle team. J'ai T'as 2-3 pas persos, monté le Trunks ouais. Ouais, EX? mec, j'ai vu l'arbre, il était à zéro, j'ai pas de ressources, je préfère garder pour mes D'accord, Zenkai, ok. honnêtement, je fais fuck Trunks. Ok, ça marche. Fuck Alors, Trunks, du il est très coup. bien comme ça, avec...
Avec sa petite étoile là. Ok. En plus, en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas vraiment de synergie, tu vois. C'est le truc qui va me déranger, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est que bon, des persos après... chacun de leur côté que j'ai là, pour le coup. Ce que je vais faire, hop, hop, hop. Vas-y, on va partir comme ça. Et bah puis, moi je vais partir avec cette blue ring, entre guillemets. Du coup. Allez, on verra. Donc en plus là, attention les gars, le frérot Fitz, ça rigole zéro. Hein. On ouais, a vu moment, top ouais. 500, PVP. On est passé sur certains de ses lives. Ça 320 je crois. 320 la dernière saison. Ah, 320. Ouais, 320. Pas mal. Assez content. Tu m'étonnes. Il fait mal le Vegeta EX par contre. Hein. Ouais, surtout avec l'avantage très, type. Très mal. Alors j'ai fait une team full famille Vegeta pour la première. Ah, bien joué, pas de panique en face là. Je crois que j'ai l'avantage là-dessus. Ouais. Ah là là, bien ouais. Allez, Vegeta il balance hein. Il est fort. Ok. Ouh. Après bon, lui son arme n'est pas montée, donc oui, ça va prendre en compte, mais quand même. Effectivement. Ok. Bon ça va, il tank quand même un minimum, mais il fait très mal le Vegeta. Ok. Ok. Je préfère. Ça va les dégâts, je suis choqué. Après bon, il est 3 étoiles ton Buan, mais... Ouais, le Buan, ouais, il est pas beaucoup étoilé. Les... Yes. Allez. Allez, tu connais. Aïe, 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 aïe. En ce moment, j'ai une de ces malchances avec les Rising Rush, moi. Mais non. Ah, purée. J'ai fait le con. C'est ça, depuis jouer les persos comme Buan, etc. J'ai fait le con, là, les gars. Ok, tant mieux pour nous. Ouais, en fait, il m'avait détruit la... ma main. Ouais, ouais, bah oui, quoi. Le main. Le main ouais, qui détruit la main. Ouais. Ah, franchement, même moi, je m'en rappelais plus, tu vois. Ok. Oh, bien joué la tempo! Oh, elle était belle celle-là. Ok, c'est ce bout qui va m'embêter là. Ah, dommage. J'ai pas assez attendu. Ok, normalement il encaisse, voilà. Il encaisse, hein, clairement. Ok. Ok. Ok, le deuxième. Ok. Pas de voyons contre, s'il te plaît. Voyons voir. Ok. Ah non, c'est bon, ça passe. Ok, très bien. Oh, c'est stylé par contre la famille là. La famille grave. Ensemble, j'aime bien. Grave, ça fait une belle attaque. Ouais. Ok, let's go. Super Vegeta. Bien joué. Oh là là, elle est magnifique par contre, cette ultime. Ah, lui, il aura un Zenkai, je pense, un jour. Ça m'étonnerait pas, vu comment il est travaillé. Putain, par contre, le bout, il prend vraiment rien. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Grave. Sac à PV, hein. Sac à PV, c'est un sac à PV. Ouais. Ok. Ouais, c'est mort. Bon, GG à toi, frérot. Rien ouais. à dire. Ouais. Là, ça envoie quand même un petit peu niveau dégâts blast. Hein. Bon, ben, les Vegeta, quoi. Vegeta exceptionnel. Franchement. Les Vegeta. Franchement, ouais, le Vegeta. Bah, après, bon, le truc, c'est que là, il y avait un gouffre. Et il était combien d'étoiles, ton. Ah non, ouais, non, mais on l'a pas étoiles. Vu le premier bout. Il est sauté trop vite, lui. Ouais, bah. Boum incarné. Je l'ai mis, ouais, je l'ai mis en premier, mais bah, ton Vegeta me l'a désossé. Ouais. D'ailleurs, t'avais fait une team triple boue, toi, je suis en train de tilter. Ouais, j'avais fait le triple boue, ouais. Ok, stylé, triple. Enfin, famille de Vegeta versus triple boue, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal, ok. Allez, alors, ça passe bah, sur ça. Coup, Moi, j'ai fait green, green, yellow, et là, je vais faire yellow, yellow, blue, forcément, du coup. Ouais. Forcément. Et là, du coup, ça m'arrange pas vraiment. Parce que là. Parce que t'as deux violets, si je dis pas. Purple, ouais. Ouais. Tant mieux pour moi, les gars, ça s'est mis ah très bah ouais, bien. Ah bah mais c'est ça. C'est ça. Ok. Ok, allez, c'est parti. Et mine de rien, là, c'est pareil, hein. Il y a des étoiles sur les persos de mon côté. Ouais, ouais. Alors, attention. Ok. Ok. Heureusement qu'il nullifie le type, hein. Celle-là, à mon avis, il serait fait arracher en deux, sinon. C'est clair. C'est la bagarre. Alors je me suis un peu amélioré en clash ces derniers temps. Je vois ça. Non, j'ai pas assez attendu. Je suis deg.
Bojack. Qui a vraiment du mal, le Bojack face à deux jaunes. Hein. Bah oui. Fort, hein, mais... C'est ce que je vois, y a rien. Ouh, je mange ça. Ah, bien joué. Celle-là était belle. Ah, par contre, Kula, il est pas Zenkai, les gars, hein, son Kula. Non, il est pas Zenkai. Quel perso. C'est pas trop mal. Mais bon, c'est compliqué quand même. Là, le truc, c'est que tu tues celui qui va booster ma team, du coup. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait direct le Rising Rush mais ouais. Sur lui. Alors que, bon, j'avais fait le Magneto, mais là, fallait le bousiller. Allez, le bon vieux Goku bleu, là. Et avec sa spé qui est magnifiquement magnifique. Bien stylé, hein. Et les dégâts sont pas mal aussi. Effectivement. Oh, il est trop classe en vrai, je me rappelais plus de cette animation. La transfo du Saiyan légendaire. Transfo. Ok, le clash. Ah, pas terrible. Ok, ça passe. Ouh, celle-là va piquer un peu, ah, je pense. Face à Broly en plus. Ouais, face à bon, Broly. C'est pas le même, mais bon. Ok. Ah, bien. Le petit perfect dodge. Enfin, perfect dodge, break cover. Bien wesh, bien wesh. Allez. Wow, hein. Ah, il dérouille. Hein. Oh là là là. Ok. Ah ouais. Il est classe. Là, c'est compliqué. Beaucoup. Ouais, de ouf. Ouais, il a vraiment du style. Ouah, tôt ou tard, il aura sans doute un Zenkai, lui. J'ai l'impression qu'il y a tellement de persos qui vont avoir un Zenkai tôt ou tard, mec. Bah, de toute façon, ouais, là. C'est assez tendu pour l'instant, hein. T'as encore l'ulti du Broly, si j'ai pas vu. Non. Bien joué. Okay, parfait. Ah mais c'est pas... Oui, en fait tout à l'heure t'avais le pivot de Bojack, c'est pour ça qu'il tapait aussi c'est fort ça, les persos. C'est ça, c'est ça. Là tu l'as plus maintenant. Et je m'en rends compte. Oh oh. Ah ouais là par contre ça va gifler. Ok. J'avais plus... Le ki. J'avais plus assez de ki, ouais. Je suis deg. Ah là là. Ok. Ah ça va être dur là par contre quand même, hein. Ça va être dur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors le petit dispel en mourant, lui, c'est toujours agréable. Aïe, aïe, aïe. Ok. Non, j'ai pas assez attendu. Je suis dégoûté au niveau de la tempo. Ah, fait chier. Allez. Ah, ça a pas tué. Si, ça tue, je pense. GG, rien à dire. Cette petite victoire, elle est bien, bien, bien stylée pour le coup. Ok, ok, GG. Ok. Bon, mon Soso, je t'avoue que j'ai bien poncé le jeu ces derniers temps. Hein, et je pense à se voir un peu ça. Du gameplay. Je vois ça, monsieur. Ouais. Il rigole zéro. Non, GG à toi. Non, franchement, c'est mérité. Hein. GG t'as très bien joué. GG à toi aussi. C'était une belle game. Ça se joue pas à grand chose hein, sur ça celle-ci, la première. Ouais. Bon, dommage, les GTA ouais. ont voilà, déglingué première, tout, ouais, tout ce qui bougeait. Ont explosé les Majin Buu. Ouais, mais celle-ci, ça se joue pas à grand chose. Et franchement, moi, je suis agréablement surpris toujours de voir les vieux persos, tu sais, les uns contre les autres. Quand tu les joues, tu les mets les uns contre les autres. Ça te rappelle un peu bah, le bon vieux temps, entre guillemets, quoi, tu vois. C'est ça, bah tu vois, et puis, pour le coup, c'est vrai que le Buu 1, bah moi, de toute façon, je l'ai jamais vraiment joué, hein, parce que comme ouais. vous pouvez le constater, 3 étoiles, ouais, pff, j'ai pas vraiment intérêt. Purée, je déclenche le main, boum. ma main, elle a foutu le camp. Ah, et ça, pour le coup, c'est coup dur, hein, quand ta main, là, ça bah, va c'est comme ça, en ouais, plein combo, alors que tu viens de faire le main. C'est ça, j'aurais préféré d'abord finir ma main et faire le main après, tu vois. Ouais, bah écoute, au moins, tu le sais maintenant. Au moins maintenant. Bah maintenant, oui, je le saurai. C'est ça. Bon, les frérots, on va se laisser ici. La revanche sur la chaîne de Soso. Sauf que cette fois-ci, Soso sera en Super Saiyan et je serai en ennemi puissant. Ça sortira une petite heure après cette vidéo, je pense, quelque chose comme ça. Donc, allez sur le lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Soso. Abonnez-vous à ma chaîne aussi si c'est pas fait encore, bien entendu. Et puis, nous, on va se dire à très bientôt, façon, pour la revanche. Et n'oubliez pas, mardi, hein. Mardi, live avec Soso, notamment sur. Les des trucs en vidéo là donc sur les news de Dragon Ball Legends et puis on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien les gars. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao ciao.